Je t'avais montré cette photo de Valorcine. La première fois que je suis venue à Valorcine, j'avais 5 ans. C'était dans une pension de famille, là-bas, en bas, qui s'appelait La Chaumière. Et puis, les années précédentes, mes parents ont trouvé une location dans le chalet Barbet, là, que tu vois en bas, qui a été transformé il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs. On venait tous les étés, et à l'époque, les vacances, c'était 3 mois d'été. Il y a d'abord les sons, et un ami qui était d'ailleurs dans le chalet juste en dessous, là, le chalet Michel Sion, il disait que quand on arrivait à Valorcine, il y avait ce bruit de l'eau, le bruit des torrents qu'on entendait. On entendait très fort un bruit de torrent, puis on s'en éloignait. Et quand on s'en éloignait, on en entendait un autre. On entendait toujours des bruits de torrents. Et puis un son dont je me rappelle très bien qu'on n'entend plus maintenant. On n'entend plus à Valorcine maintenant. C'était, tu vois, on était dans ce chalet en dessous, là. Et au-dessus, il y avait donc la famille des Boson. Donc Denise Ray, elle est une fille Boson. Et son frère Maurice Boson, à l'époque des foins, il fauchait. Et j'entends encore ce bruit de la faux dans tôt le matin sur les foins. C'est un son que j'aime beaucoup me rappeler. Parce que maintenant, je suis très attachée à comment les Valorciens appelaient leur lieu. Et je suis un petit peu même peut-être, dit-on, autoritaire. Mais disons que c'est cette recherche de l'histoire de Valorcine, cette recherche du patrimoine, ça, je ne l'ai pas recherchée véritablement, mais elle est venue à moi comme une évidence. Voilà, une évidence. C'est...